Wesh, bien ou quoi? Tranquille ou quoi? Ouais, tranquille. J'espère que vous allez tous très très bien. En tout cas, moi, ça va. Merci de demander quoi? T'es choqué par ma coupe de cheveux en mode ananas? Ah, écoute, t'inquiète pas. Reste concentré sur ce que j'ai à te dire parce que là, c'est d'une importance capitale. Mesdames et messieurs, Kylian Mbappé devient un problème pour l'équipe de France. Oui, je sais ce que vous vous dites. Ça y est, Fodjie, il a la haine monumentale contre Kylian Mbappé parce qu'il a quitté le Paris Saint-Germain. Non, on va faire une analyse, hein, objective du match de Kylian Mbappé depuis un certain temps avec l'équipe de France. Vous avez pu remarquer que Kylian Mbappé maintenant ne joue plus sur le côté gauche. Hein? Vous savez pourquoi? Parce que Kylian Mbappé ne veut plus courir sur le terrain. Oui, les efforts défensifs. Lui là, tu lui parles pas d'âge. Si t'es pas content, triplé. Mais là, personne n'est content. Et les triplés, il n'y en a plus. On commence à parler de son âge, 25 ans. À l'âge de 25 ans, Messi, on n'en parle pas. Ronaldo, oh là là. Neymar, oh là là, on n'en parle pas. Des joueurs, hein, qui ont fait les efforts jusqu'au bout. Neymar, qui a quitté le Paris Saint-Germain malgré tous les efforts qu'il faisait. Maintenant, on voit que Mbappé ne veut plus courir. Eh oui! C'est pour ça qu'il n'est plus sur le côté gauche, le côté qu'il avait l'habitude, hein, de froisser. Le côté qu'il avait l'habitude, hein, de faire du grand n'importe quoi. Là, il est en train de se préparer pour le Real Madrid. Il va avoir son petit maillot numéro 9, hein. Et puis voilà, on va demander à Vinicius Junior de faire les efforts défensifs. Oui. Et d'aller devant. C'est pour ça que Marcus Thuram est titulaire. Oui. Parce que Kylian Mbappé ne court pas. Il ne fait pas d'efforts défensifs. Pas de pressing. Pas de course en profondeur. En termes de neuf, c'est zéro. Lorsque Dembélé arrive sur le côté et dribble tout le monde, les supporters. Tous ceux, tout le monde, il dribble tout le monde. Il centre. Il y a qui au centre? Personne. Voilà. Kylian Mbappé, quand il veut faire le numéro 9 à mettre des têtes, il se casse le nez. Mesdames et messieurs, regardez les matchs avant, lorsqu'il était sur son côté gauche. Personne ne pouvait l'arrêter. Inarrêtable. Maintenant, il est là, il est au milieu. Il va chercher le ballon n'importe où. On ne peut plus lui faire de basse en profondeur. C'est un problème monumental. Il va falloir que Kylian Mbappé se remette en question sur son efficacité et sur son placement. Il vient marcher dans les pieds de Barcola. Il vient marcher dans les pieds de Marcus Thuram. Quand le ballon est à droite, il va à droite. Quand le ballon est à gauche, il va à gauche. Rappelez-vous, lorsqu'il y avait Messi, il restait à gauche, il fermait sa bouche. Il faisait comme ça, Messi, il lui envoyait le ballon. Là, maintenant, il va chercher le ballon. Et oui, il y en a qui vont me dire, oui, mais c'est parce qu'il n'y a pas d'autre possibilité. Non, si tu ne te places pas là-bas, personne ne va te faire la passe. Hein. Oui, tu viens devant les joueurs, tu demandes le ballon. Tu te prends pour qui, toi? Hein? Depuis quand tu es un créateur? Toi et Neymar, vous n'avez rien à voir, hein? Rien du tout! Rien! Reste sur ton côté là où tu es le plus performant. Utilise, hein, tes qualités au maximum et arrête de t'embêter à vouloir changer ton style de jeu. Tu vas pas réussir à faire ça. On voit, quand tu fais des passes et tout, c'est pas toujours précis, de manière. C'est pas limpide. Tu vois? Tu vois quand Neymar il a mis le coup franc devant toi et que tu l'as regardé en mode. Choqué. T'as pas le pied droit comment dire, d'un Pirlo ou d'un. Non! Toi, c'est pas ça, toi! Toi, tu frappes fort dans le ballon! C'est tout! T'arrives devant les cages, bah! Mais maintenant, t'es là, tu veux faire des enroulés, des je sais pas quoi. Hé, tes enroulés là, c'est pas des vrais enroulés. Tu comprends? C'est, je sais pas comment tu tires un petit peu comme Cristiano Ronaldo, hein?
Mais tes enroulés, ce ne sont pas des enroulés. Arrête de vouloir faire le David Beckham. Reste comme Cristiano. Mais t'enlèves tout ce qui est dans les airs. Tu vois ce que je veux dire? Va sur un côté. Tu vois le Cristiano qui est à Manchester United. Reste sur ce délire. Oublie les histoires de numéro 9. T'es nul dans ça.